si le Hamas est une organisation terroriste. On verra la suite. D'abord, la question principale de la science Al-Mubi. Qui a codé l'univers dans la science Al-Mubi? Soit le hasard, soit moi, soit quelqu'un d'autre, à vous de me dire. Je rappelle le postulat de base. Al-Mubin est une science, est une science. Je n'ai pas dit une technique. Je n'ai pas dit un algorithme. Je n'ai pas dit une approche. Je n'ai pas dit une méthode. Je n'ai pas dit une IA. La science Al-Mubin. Al-Mubin est une science basée sur les nombres premiers. Les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23 et les autres. Observez bien. Cette étude fait suite à... C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Alain Gresh. Il dit, si le Hamas est une organisation terroriste, alors Israël est un État terroriste. Alain Gresh. Observez bien, nous allons juste vérifier si quelqu'un qui n'est pas le hasard et qui n'est pas moi, a codé ce texte dans la science Al-Mubin. Donc, si le Hamas est une organisation terroriste, virgule, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers sans les rangs, et dans le même système avec les rangs, nous avons dit que A, par exemple, égale à 2. Mais 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Nous avons dit que E égale à 11. Mais 11 est un nombre premier qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que i égale à 23, mais 23 est premier, qui a comme rang 9. Donc j'ai le total sans les rangs et le total avec les rangs. Très bien. Je pose les deux totaux. Je divise par les deux nombres principaux de Al-Mubin, le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Lui, divise-le par le 23, le reste est 15. Lui, il est premier, il a comme rang 28. Divise-le par le 23, le reste est 5. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, divise-le par le 23, le reste est 8, c'est nombre, je n'ai rien à voir avec eux. Et le hasard n'a rien à voir avec eux. Observez bien. Lui plus lui donne la somme du texte sans et avec les rangs. Très bien. Maintenant, la somme sans. La somme de la ligne principale sans ce qu'elle a engendré selon la science Al-Mubin. Parfait. La somme avec, somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la science Al-Mubin. Parfait. Observez bien les deux modes 23. Ça donne le fameux nombre. 15 plus 8 égale à le fameux nombre. Parfait. 23. 23 est premier, là, comme rang 9. Donc ça, c'est la durée de la révélation, n'est-ce pas? Observez bien. Maintenant, la somme des autres nombres issus. Donc on a sommé le 15 et le 8. Maintenant, on va sommer les autres nombres issus. OK. Égale à 42. On aura besoin de Dieu. Très bien, observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec le 42, avec le 114, ok, donne ce nombre. C'est quoi ça? Alors, Israël est un État terroriste. Alain Gresh. Si le Hamas est une organisation terroriste, alors Israël est un État terroriste. Alain Gresh. Qui a codé? Donc, c'est par rapport, on a repéré le 23, Dieu l'a posé ici. Ok, le 23, c'est la durée de la révélation. On somme les autres nombres et on se rend compte que lui avait besoin de lui et lui et lui qui n'ont rien à voir avec moi et lui pour former la suite qui a codé. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne le cœur de ce texte. Et le premier texte, lui moins lui, on avait commencé par plus, maintenant lui moins lui, c'est-à-dire la somme des rangs de ce texte, donne ce nombre. Donc ça, c'est la somme des rangs de deuxième texte, de la suite, et ça, c'est le premier. Parfait. Observe bien et expliquez. Lui, avec lui, avec lui, avec le rang que Dieu a posé ici. Parfait. Avec Dieu, avec le 42, avec le 23, et avec le 23, et avec lui, avec lui, avec lui. Phénoménal, non? Ça donne lui. Lui, c'est quoi? Observe bien. Israël organise l'occupation avec les déportations. Cette occupation engendre une résistance que Israël va qualifier de terrorisme. Donc je vous ai mis ici, c'est à ce moment-là, 14 minutes 25, qu'il commence à prononcer ça. Et vous allez voir c'est quoi ça. Donc observez bien, on le répète. Israël organise l'occupation avec les déportations. Et vous ne pouvez pas imaginer la férocité et la dureté et l'injustice infinie de ce qu'Israël fait depuis 70 ans. Donc Israël organise l'occupation avec les déportations. Cette occupation engendre une résistance, encore heureux, que Israël va qualifier de terrorisme.
Et les pays amis, l'Occident et les États-Unis, bah, vont qualifier tous ceux qui résistent de terroristes. On se casse pas la tête, on applaudit. Parfait. Maintenant, rappelez-vous, le 23 et le 23 viennent de travailler, n'est-ce pas? Le 23 et le 23 sont le 9 et le 9. Donc nous allons sommer le 9 et le 9. Comme ça, vous allez voir qu'il y a un raisonnement divin. 9 plus 9 égale à 18. Allez, observez. Ce nombre, avec 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 Dieu, avec le 42, avec le 23, le 9, le 23, le 9, et lui. Donc le 9 et le 9, c'est les deux nombres qui n'avaient pas participé ici. Les seuls nombres qui n'avaient pas participé ici. On les somme, ça donne 18, et on se rend compte que les nombres avaient besoin de ce 18 pour former ce nombre. Encore une fois, c'est quoi? Israël organise l'occupation avec les déportations. Cette occupation engendre une résistance que Israël va qualifier de terrorisme. Ok. Très bien. Donc maintenant, observez bien. Donc là, tout à l'heure, c'était observez bien qui a formé ça. Observez. Ici, observez bien. Les nombres, le 20 avec le 23, ok. Et maintenant ici, la deuxième fois, ce nombre, avec ce nombre maintenant, celui-là, avec celui-là, 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 ok. Très bien. La même phrase, Israël organise l'occupation. Très bien. Observez bien maintenant. Ces deux nombres-là, la somme des rangs du deuxième texte et la somme des rangs du premier texte. Ok. On va faire la différence des deux. Égal à 35. Observez bien, s'il vous plaît. Le 35 a besoin de ce 18. Attention, il n'est pas là par hasard. Le 35 a besoin du 18. Observez bien. Et a besoin de lui et de lui pour former ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle qui a dit à lui, sois premier, il fut. Qui a dit à lui, sois premier, il fut. Pour que le total de tout ça fasse ce nombre. C'est Charles de Gaulle qui a prononcé cette phrase. Israël organise l'occupation avec les déportations. Cette occupation engendre une résistance que Israël va qualifier de terrorisme. Vous pouvez aller le vérifier ici, à la 14e 25. Et vous pouvez vérifier sur Internet. Oui, la position de Charles de Gaulle est connue. Malheureusement, elle a été trahie par ceux qui ont suivi, malheureusement. Très bien, donc observez bien Charles de Gaulle. Très bien, maintenant observez bien. Lui moins lui, le cœur de Charles de Gaulle. La somme des ronds de Charles de Gaulle. Très bien. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. Comme ça, vous allez voir que tout est lié. La somme des nombres issus de la ligne principale. On avait fait la somme sans, la somme avec, on avait isolé le 23. Maintenant, la somme de tout le monde. La somme des nombres issus de la ligne principale. Égale à ce nombre. Parfait. Observez bien, s'il vous plaît. Lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. OK? Observez bien. Et avec le 35. Et avec le 18. Égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Alain Grèche. Ma question, qui a codé l'univers dans la science Al-Mubin? D'accord? Ceux-là, c'était des terroristes, ceux-là. Qui ont été exterminés par ceux qui donnent des leçons de démocratie à l'humanité. Merci à vous, à la prochaine.